Dans le quartier d'Andaf Sud, commune rurale de Tanzumbat, la foule se bouscule pour essayer de voir ce qui s'est passé. La plupart sont surtout curieux de voir les cadavres des 8 victimes de cet incendie grave. Une d'entre elles était encore un bébé. Les proches de la famille et même les voisins sont inconsolables. La famille ne réalise pas encore ce qui s'est passé. Les prochains jours seront très durs pour eux. En un rien de temps, ils ont perdu 8 de leurs proches dans cet incendie. Pour l'instant, on ignore la cause du drame, mais la famille a son avis là-dessus. À mon avis, ce sont des personnes rancunières qui sont à la cause de ce drame parce que le feu a commencé dans les escaliers et la porte a été verrouillée avec un cadenas de dehors. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu sortir. La maison a péri entièrement dans l'incendie. Triste semaine pour le voisinage des victimes. Leur peine s'ajoute à celui de la famille. Tous se donnent la main pour aider la famille des victimes. Nous récoltons des fonds, chacun donne la somme qu'il veut, et ce, de bon cœur. Cette urne vient de la commune et a été placée ici. C'est la première fois qu'un tel drame se produit dans la commune de Tanzumbat. Beaucoup se posent encore des questions sur la vraie cause de l'incendie.